nous militons pour le bien-être complet de la population congolaise. Nous sommes des fils et filles qui sont accablés par plusieurs problèmes. Alors, la CENI étant la mère des institutions, il faut mettre des hommes qui vont véhiculer des valeurs, c'est-à-dire l'honnêteté, l'esprit de l'amour du travail et surtout écouter, prêter l'oreille aux revendications de la population. La CENI, en termes propres, n'est pas un gâteau, mais elle croit. Quand il se multiplie, il multiplie les plateformes, c'est cela, il croit qu'il y a un gâteau. Mais moi, je crois que c'est un travail dur qui nous attend. Ma candidature a été endossée par l'espace Interplateforme, qui est un espace interface au gouvernement de la République. Et je vous l'ai dit que c'est cet espace-là qui avait remis les mémos de toute la société civile au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minaku.